Bon, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et on retrouve... Encore Dimitri. Il est encore avec moi, Dimitri. Et on a trouvé une nouvelle maison laissée à l'abandon. Et nous, on arrive directement par la cuisine ici. Voilà, il reste des barres de fitness, de céréales. On n'est pas très à l'aise pour tout vous dire. On a fait les dépendances juste avant, on n'a pas filmé, mais... Il y avait dans la dépendance un manteau qui était pendu. Et l'ambiance était un petit peu glauque. Et quand on est arrivé ici, vous avez vu, je sais pas si vous voyez là-bas, il y a un manteau qui est accroché aux escaliers. Bon, on est dans la cuisine, je pense, du coup, de cette maison. On a sur la cuisine, la table, encore de la vaisselle qui est présente, qui n'a pas été cassée, qui n'a pas été volée, celle-ci. Pour vous décrire, il y a un peu une odeur d'urine. Donc peut-être que des gens viennent squatter et du coup se lâcher ici. On a plein de documents, plein de factures. On va essayer bien de se renseigner sur qui habitait là et pourquoi et depuis quand c'est abandonné. On a des factures de France Télécom pour vous dire à quel point ça date, puisque France Télécom ça n'existe plus aujourd'hui. Ça a été remplacé entre autres, enfin entre guillemets, par Orange. On va faire le tour de la cuisine. Alors il y a la gazinière qui est juste ici. Enfin, plus un poêle qu'une gazinière, je pense, je sais pas trop. Avec une ancienne cheminée qui est derrière. Pareil, elle est immense, elle est gigantesque, hein, cette cheminée. Elle a été bouchée. Là, on a quelques placards dans lesquels on retrouve plein d'ustensiles de cuisine. Ça se trouve, c'est ça qui pue l'urine. En vrai, parce que c'est dans ce côté-là que ça coupe, ça pue l'urine et j'ai plus de batterie dans mon dans ma lampe LED. Bon les amis, ma lampe LED a décidé de rendre l'âme, donc on va faire tout à la lampe torche. Vous allez peut-être un peu moins bien voir, mais je ferai en sorte que vous voyez bien malgré tout ce qu'on visite et ce qu'on observe. On a quoi dans les placards? Ah, des conserves pas très bien conservées. Il y a du ou de la soupe là. Là on a encore d'autres ustensiles de cuisine, cafetière, couteau électrique. On a une bière, mais pareil la bière, non c'est même pas une bière ça, c'est quoi? Si, un fleur d'oranger, la date dessus c'est 2008. Parce qu'en général quand on visite il n'y a plus tout ce qui est comme là-bas, vaisselle. En général, ça y est plus. Surtout de la vaisselle comme ça, ancienne, qui est quand même assez recherchée. Par contre, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu la vaisselle de fête, là. Hein. On a aussi des couteaux. Un service, là, au couteau. J'ai un appel. Ah, la cafetière, elle est là-bas. Il y a de quoi faire un thé, ici. Et là, il y a encore la cocotte avec l'ancienne gazinière. Vu l'état de la maison et des documents ou autres objets que l'on va retrouver sur place, tout nous laisse penser que cette maison serait abandonnée depuis environ 2008. On va ouvrir le frigo. Microbe stop, on est protégé, cool. Ça va, il n'y a rien. C'est un peu la hantise d'ouvrir les frigos, se dire est-ce qu'il y a de la denrée périmée, enfin des denrées périmées dedans. Là, on n'a absolument rien dans le frigo. On a des belles araignées là-bas. Attention, arachnophobe. Et on a de la bouffe pour chien. Donc on a des boîtes là. Mais on a aussi de la pâté pour chat. Ah, c'est pour chat d'ailleurs, là, j'avais pas vu. Donc, il devait y avoir des chiens et des chats ici. Ouais. On va poursuivre par là. Et alors par là, vous allez voir, c'est la salle à manger. Elle est assez incroyable. Ce qui est incroyable, c'est le service à thé. Regardez-moi ça. Bon, sur le meuble de salle à manger, on a... Moi, j'aime pas, ça me fait flipper à chaque fois les... Les poupées, en plus, elles regardent vers moi, là. Elle a son regard qui est tourné vers la caméra. J'aime pas trop les poupées dans les maisons.
C'est des vieilles poupées, comme il y avait à l'ancienne. Et on va regarder ce qu'il y a dans le placard. C'est quoi, c'est des cassettes? Je crois que c'est des cassettes audio, mais de Larousse. Je vois, c'est de l'anglais, ouais. Ouais, c'est pour apprendre l'anglais. C'est un peu l'ancêtre de Babel. Moi qui aimerais bien apprendre l'anglais en plus. Bah, t'as les cassettes. Alors, oui, elles sont encore à l'intérieur, les cassettes. T'as un dictionnaire, là aussi, anglais-français. Alors, est-ce que c'était un prof d'anglais qui habitait là? Peut-être. Parce qu'on a retrouvé, notamment dans les dépendances, un livre d'une bibliothèque d'un collège qui n'a pas été rendu. Donc, c'est possible que ce soit un prof d'anglais. On va fouiller dans les affaires, on va voir ce qu'on trouve. Sans trop vous révéler, évidemment, la vie privée. En tout cas, c'est incroyable d'avoir toutes ces cassettes-là. Ah non, j'ai cru que c'était des POG, mais non. C'est pas des POG. Il y a plusieurs talons par rapport à... Et on a des vinyles tout en bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Je connais même pas. Si vous connaissez, dites-nous en commentaire. Thunder in My Heart de Leo Sayer. Sawyer. Il y a des cassettes là dans le meuble. Il y a le DVD. Alors apparemment, elles n'aimaient pas Danny Boone parce qu'il est resté sous blister. DVD de Danny Boone. Allez, on le fait gagner en commentaire. À 1000 commentaires, on vous offre le DVD de Danny Boone. Non, il y a des cassettes aussi personnalisées. Piquantes, ces petites merguez. De masque. J'ai une jeunesse en retard. De retard. James Dean, waouh, incroyable. Regardez la collection, il y a le Paris avec les inconnus, les catcheurs du rock, les griffes de la nuit. Ah, ça c'est Freddy. Malheureusement, malgré nos recherches, nous ne connaîtrons aucune information sur les anciens propriétaires de cette maison. On va monter à l'étage. Ouais, j'aime pas du tout, c'est un peu la vraie poupée Annabelle. Ça ressemble grave à ça, j'aime pas du tout. Il y a plein de petits bibelots et des petites poupées, j'aime. Ça me rend mal à l'aise ces trucs-là. Je sais pas, vous, dites-nous en commentaire vous, ce que vous en pensez, mais c'est une chambre d'enfant, j'ai l'impression quand même. Parce que vu le drap, enfin vu la couverture, ça ressemble à une chambre d'enfant. Moi, enfant, j'aurais jamais dormi avec des... une décoration pareille. Hein. J'avoue. Je fais des cauchemars. C'est stylé le petit train là-bas. Ah ouais. Pareil, il y a une clé, si jamais on en cherchait dans le moment. Je pense que ça peut être pour ici. Quoique, je sais pas. Non. Bah non, la clé ne rentre pas là-dedans. Voilà, il manque la serrure. Il manque ouais, la poignée. Ah, la poignée. Pareil, donc ici on a plein de vinyles par terre. Alors c'est Herbert Léonard, ça je connais Herbert Léonard, tu vois. Et Frédéric Chateau. Il reste encore plein de choses ici, ça n'a pas dû être beaucoup visité, hein, cet endroit. On a encore des vestes. Même encore des vestes protégées par des sacs plastiques. On a le château de Vigny, je ne sais pas où c'est ni ce que c'est. À 43 km de Paris. On a des cassettes enregistrées à la main. George Duke, de la petite boîte là, petite coiffeuse, enfin, je sais pas trop. Il y a un ticket de métro, non mais alors ça c'est incroyable, le ticket de métro jaune, parisien. On a la date dessus, 96 tu crois. Là on a un jeu de cartes, je sais pas trop ce que c'est, peut-être le jeu de cette famille peut-être. Ce qui va nous paraître étrange au cours de cette exploration, c'est qu'on ne va trouver qu'une seule chambre d'enfant, encore en partie meublée, mais aucune chambre parentale. Il faut que je change de batterie de mon appareil photo. La suite de l'exploration. On arrive dans une nouvelle pièce là. Et on a un fer à repasser qui a l'air, alors pas neuf, parce que quand on voit la,
Le socle, on voit que c'est pourri. Mais en tout cas, il n'a pas été beaucoup utilisé celui-ci. Il a été rongé, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est très bizarre. T'as besoin de savoir l'heure, Kevin? Ouais, elle est trop stylée ta montre. C'est de l'heure, hein, du vrai. Ouais, je me doute. Mmh. Il est quelle heure là? Il est 3h moins 10. Ah ouais? Il est soit tard, soit tôt, mais... Je sais pas. T'as cru me faire peur. Il a trouvé une main. Pour mettre le bijou dessus. Et dans l'autre partie du coup de cette pièce, on a pas mal de choses. Alors, on a un canard. Il y a Garfield aussi ici. Il y a Garfield dans un sale état. On a la main de Dimitri. Non, on a plein de débarras ici. On a des cassettes, on a des jouets d'enfants. On a des petites figurines un peu comme ce qu'il y avait dans les Kinder à l'époque. Voilà, tiens. Tu parles de Kinder, voilà la boîte. Ah, elle est stylée cette boîte. Ah, l'ancienne. Oh là là. Bon, elle est vide. J'adore. Vous avez connu ça, vous ou pas? Vraiment, les Kinder, ouais. La boîte de Kinder à l'ancienne. C'est quoi ce sabot là? Oh, la chaussure. Le talon. Pareil, tu veux pas l'essayer pour YouTube? C'est pour montrer. Et le deuxième, elle est là-bas si tu veux. Ah ouais. Tu veux mettre les deux? On a des CD ici. Qu'est-ce qu'on a comme CD? 100% Dance volume 14. Alors là, je veux voir ce qu'il y a dans 100% Dance volume 14. Voilà les titres de ce CD 100% Dance 2014. Barbie Girl, Come Down in the Wind. Ouh là là, je sais pas ce que... Eh, To Be Free! Ah non, c'est le titre qui s'appelle To Be Free, je suis con. On a une deuxième boîte Kinder, tiens, j'avais pas vu. Et juste là. Qui est vide aussi à l'intérieur. Regardez toutes les figurines qu'il y a ici. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une chambre d'enfant, quoi. Mais vraiment d'enfant. De... Ouais, de bébé. Regarde, il y a encore des trucs Kinder là-bas. Là. Voilà pour cette dernière exploration de l'année sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Et évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester informé de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles explorations sur ma chaîne YouTube. À bientôt, ciao.